monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bien particulière puisque c'est une vidéo qui m'a été particulièrement demandée. C'est une vidéo sur la psychologie, donc sur mes études, ce que je fais, voilà. Du coup, aujourd'hui je vais vous parler de la technique du pied dans la porte. Donc j'ai toutes mes notes qui sont sur mon téléphone, donc de temps en temps je vais regarder mon téléphone. Et du coup, bah, passons tout de suite à la vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui, je vais donc vous parler de la technique du pied dans la porte. Le pied dans la porte, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de manipulation et c'est une expérience sociale en psychologie, donc qui fait partie de la catégorie psychologie sociale, qu'on appelle tous psychosociale. Je vais vous expliquer à base d'expérience. Friedman et Fraser en 1966. Voilà. En fait, ils ont pris deux groupes. Donc, vous saurez qu'en psychologie, très souvent, il y a minimum deux groupes. Il y a le groupe contrôle et le groupe expérimental. Donc, expérimental, expérience. Faut penser à ça en mémotechnique. Et du coup, c'est eux qui vont subir les modalités de l'expérience. Alors que le groupe contrôle, bah, c'est pour contrôler et du coup, ils ont aucune modalité de l'expérience. En gros, c'est le groupe témoin. Comme je crois qu'on parle en physique. Et du coup, en gros, lors de l'expérience de Friedman et Fraser, les chercheurs vont devenir des enquêteurs et en fait, ils vont enquêter sur les habitudes de consommation des ménages américains. Donc sur les produits qu'ils vont consommer, tout ça. Et le but de donc la requête la plus coûteuse, comme je vous disais, donc la requête finale, est d'examiner les placards et les produits de consommation des ménages. C'est la requête finale et après vous allez voir que bah, y a l'acte préparatoire pour l'expérience, pour le groupe expérimental et pour le groupe contrôle. Du coup, ils vont faire que cette condition. En sachant que je précise pour ceux qui ne savent pas, un ménage c'est l'ensemble d'un foyer, donc d'une maison. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, vous êtes qu'un dans votre ménage. Enfin, dans un appartement tout seul, vous êtes qu'un dans votre ménage. Donc voilà, c'est l'ensemble de personnes dans un foyer. Du coup, bah, le but de cette expérience, c'est d'examiner leurs placards, les placards des ménages et leurs habitudes de consommation, donc les produits qu'ils vont consommer le plus. Donc en gros, pour le groupe contrôle, on va leur demander explicitement, voilà, est-ce que dans le cadre d'une enquête, nous pouvons examiner vos placards, savoir qu'est-ce que vous consommez le plus, qu'est-ce que vous consommez le moins, est-ce que, voilà, on peut venir chez vous et regarder dans vos placards. Alors que pour le groupe expérimental, donc qui va subir les modalités de l'expérience, on va les appeler, donc les chercheurs vont les appeler 3 jours avant et ils vont leur poser 8 questions sur leurs habitudes de consommation. Donc sur les habitudes bah, de consommation de ce ménage-là. Et du coup, le fait qu'ils les aient appelés 3 jours avant et qu'ils aient posé ces questions-là va les préparer sur la possibilité de les accueillir chez eux pour leur montrer justement leurs habitudes. Et après, c'est justement ce qui va se passer, c'est qu'après, ils vont les appeler en leur demandant, comme le groupe contrôle, est-ce qu'on peut venir chez vous et regarder vos habitudes de consommation puisque vous avez répondu au questionnaire, blablabla. Et en fait, nous pouvons observer que bah, du coup, les résultats du groupe contrôle, donc quand on a juste demandé si on pouvait observer les placards, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus et il n'y a que 22% d'acceptation. Voilà, donc je pars avec des chiffres pour que vous vous rendez compte. Alors que dans la technique du pied dans la porte, donc quand on les a appelés 3 jours avant et qu'on leur a posé 8 questions, il y a 52% d'acceptation. Donc il y a plus du double d'acceptation lorsqu'on a fait cette expérience-là. Parce que bah, du coup, on les a préparés et entre guillemets, voilà, on les a préparés, on a manipulé la situation pour qu'en gros, ils soient préparés et qu'ils puissent accepter plus facilement. Puisque bah, quand on pose des questions sur l'habituation alimentaire, après, effectivement, on peut dire bah, « Excusez-moi, est-ce que du coup, je peux venir chez vous et observer vos placards et observer vos habitudes ?» Et voir que l'acte préparatoire adéquat pour l'expérience de fait, le fait de les appeler et de leur poser des questions sur leurs habitudes de consommation, c'est assez adéquat puisque tu réponds juste à une enquête téléphonique, ça demande juste du temps. Un délai max de 7 jours entre l'acte préparatoire et l'acte final, vous pouvez voir dans l'expérience, je vous ai expliqué qu'ils les ont appelés 3 jours avant l'acte final, donc ça c'est dans les 7 jours de délai.
un comportement similaire, vous pouvez voir que le comportement similaire est un questionnaire qui concerne les habitudes d'alimentation. Et là, c'est un questionnaire. Et après, ils vont venir chez vous contrôler vos habitudes alimentaires. Donc, le comportement similaire est l'habitude alimentaire, les produits de consommation, voilà, toute cette partie-là. Libre choix, vous pouvez voir que c'est oui ou non. Je réponds à cette enquête, oui ou non, j'accepte que vous rentrez chez moi, fouiller dans mes placards et voir ce que j'ai l'habitude de consommer. La requête peut être formulée par des personnes différentes. Vous vous doutez bien que une personne a passé coup de fil, mais c'est pas forcément la même personne qui s'est déplacée pour aller voir dans les placards de la personne et aller chez la ménagère. Et l'acceptation de l'acte préparatoire suffit, aucune obligation de faire l'acte. En gros, ils ont pu accepter de répondre à l'enquête, mais ils n'ont pas forcément répondu à toutes les questions ou à l'enquête. Ils ont dû dire oui, on veut bien la faire, mais ils n'ont pas forcément répondu avant. Dans un cadre de téléphone, si, ils ont répondu, je suppose. Mais par exemple, si c'était une enquête internet, ils auraient très bien pu dire oui, on peut la faire, mais aller plus tard ou voir pas du tout sur le site internet faire l'enquête. Mais ça ne n'empêche pas le fait qu'ils auraient dit oui, qu'ils auraient possiblement dit oui pour que la personne rentre chez elle contrôler ses habitudes alimentaires. Voilà. En 1974 avec Pinel et d'autres collaborateurs. Le but de l'expérience, c'est de faire un don pour la lutte du cancer. Donc le groupe contrôle, on va juste leur demander de faire un don pour la lutte contre le cancer. Alors que le groupe expérimental, donc je répète, qui subit les modalités de l'expérience, on va leur proposer comme acte préparatoire de porter une jonquille pour cette expérience, de porter une jonquille pour la lutte contre le cancer. Donc c'est gratuit, ça montre leur soutien. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent porter cette jonquille? Et du coup, on peut voir que lorsqu'il y a le pied dans la porte, donc le fait de porter la jonquille, il va avoir plus de 74% de oui, d'acceptation pour le don à la fin de la requête. Et le don sera plus important que pour le groupe contrôle, où il y aura 45% de personnes qui vont dire oui à faire seulement le don, puisque c'est la seule chose qu'on leur a proposé, mais le don sera moins important, moins coûteux. Voilà, donc en gros, on voit que encore dans ce côté-là, le pied dans la porte a fait son effet, puisqu'il y a eu plus d'acceptation. Parler du principe et de la condition. Le but, c'est d'extorquer une requête peu coûteuse libre de choix, comme je disais, donc le fait de porter oui ou non une jonquille, pour obtenir une requête plus coûteuse, le don. Voilà, donc là, on peut voir que c'est nettement plus coûteux puisqu'on va donner des sous à l'association. La condition est que l'acte préparatoire soit adéquat. On peut voir que porter une jonquille, ça peut être assez adéquat puisque ça met en avant l'association sans pour autant que ce soit trop coûteux puisque vous avez juste une jonquille à mettre à votre veste ou voilà. Un comportement similaire. Dans les conditions, il faut qu'il y ait du coup un comportement similaire. Vous pouvez voir que le comportement similaire, c'est de faire une action pour l'association. Visiblement, l'association, vous portez une jonquille pour elle, vous faites un don, voilà. Libre de choix, oui ou non je peux porter la jonquille, oui ou non je peux faire le don. Requête faite par des personnes différentes possibles, vous vous doutez bien que par exemple la personne qui a demandé à porter la jonquille n'est peut-être pas forcément la personne qui a demandé à faire le don. Mais ils viennent toutes les deux pour la même, pour la même association, dans le même but. Et l'acceptation de l'acte préparatoire suffit, aucune obligation de faire l'acte. C'est-à-dire que la personne a pu accepter de prendre la jonquille, mais elle ne l'a pas forcément portée tous les jours, ou ne l'a pas forcément portée du tout, mais ça ne va pas empêcher qu'elle peut accepter le don par la suite. Voilà, en gros, pour reprendre les conditions de cette expérience-là et de vous montrer le pied dans la porte. D'accord, vous avez ce fil tout le long depuis tout à l'heure. Dans ces deux expériences-là, que le pied dans la porte est explicite puisque nous demandons les deux requêtes. C'est-à-dire que nous les formulons, on leur demande de porter la jonquille, après on leur demande de faire un don, on pose des questions dans un appel
et après on leur demande de venir chez eux, explicite, on leur parle, on formule les demandes. Alors que il y a aussi le pied dans la porte qui est implicite. Lorsque le pied dans la porte est implicite, c'est qu'en fait on va vous demander quelque chose. Et donc ça va être l'acte préparatoire, on va vous le demander. Mais l'acte final ne sera pas demandé. C'est-à-dire que j'ai vu dans mon cours, donc cette expérience-là, je l'ai vu dans mon cours. Donc, c'est en fait dans un texte de mon cours, si je retrouve les références, je vous mettrai le texte. C'est une femme qui va demander à une autre femme de lui garder la place dans une file d'attente. Donc en fait, elle va dire oui, elle va garder sa place. Donc voilà, il y a un acte de gentillesse, il y a une acceptation de cet acte préparatoire. Et au moment de partir de ses courses, parce que c'est dans un cadre de course, elle va voir une femme qui portait des journaux et qui les journaux vont tomber. Et en fait, elle va aller aider la personne sans que la personne lui ait demandé. Et là, on peut dire qu'en gros, le pied dans la porte est implicite, puisqu'il y a eu une personne qui lui a demandé de l'aider et de garder sa place à la caisse. Et quand il y a eu une deuxième personne qui a été dans le besoin, elle n'a pas eu besoin de lui demander pour que la personne aille directement l'aider. Donc là, c'est un peu plus implicite, c'est même un peu plus compliqué à étudier, je trouve. C'est mon avis personnel. Mais voilà, donc là, je vous ai expliqué des expériences du pied dans la porte qui ont été faites. Mais sachez que voilà, quotidiennement, ça peut être utilisé. Par exemple, quelqu'un qui, dans un bar ou dans une boîte, va venir vous voir en vous disant « Bah voilà, j'ai plus de batterie, est-ce que vous pouvez me prêter votre téléphone pour que j'envoie un message à Pierre-Paul Jacques ou un coup de fil ?» prévenir de où je suis, et qu'après la deuxième requête c'est est-ce que je peux avoir ton numéro. Et ben ça peut être une technique du pied dans la porte fait quotidiennement, puisque la personne vous prépare en vous demandant quelque chose avec votre téléphone, donc quelque chose qui est pas trop coûteux puisque vous lui venez en aide sans forcément rien en retour, puisque vous lui prêtez votre téléphone pour qu'il envoie un message à Pierre-Paul Jacques en disant où il est, qu'est-ce qu'il fait, ou carrément appeler. C'est pas très très coûteux en soi, mais par contre après il va du coup vous demander votre numéro de téléphone, et là ça va être un peu plus coûteux puisque c'est quand même engager du temps pour lui parler et c'est donner son numéro, donc donner quelque chose qui t'appartient à quelqu'un d'autre. Et du coup ça peut être une technique du pied dans la porte, puisque vous pouvez plus facilement accepter de donner votre numéro après l'avoir aidé quand il a eu un souci, que s'il vient vers vous en disant bonjour, est-ce que je peux avoir ton numéro. Voilà, donc ça peut être une technique de pied dans la porte utilisée quotidiennement, de façon quotidienne. Et vous pouvez voir que du coup ces techniques de psychologie sont utilisées de façon quotidienne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le pied dans la porte vous a aidé, vous a permis de comprendre une des techniques de manipulation qui est fréquemment utilisée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos concernant la psychologie ou pas. Commenter, liker... Non, attends. Donc, vous... Je me suis fait mal. Je me suis coupée. Donc, j'espère que cette vidéo sur le pied dans la porte vous a plu, que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris, si vous voulez que je redétaille certaines choses, ou tout simplement si vous voulez une partie 2 avec la porte au nez, le fait que je compare ces deux techniques de manipulation, que je détaille un petit peu plus le pied dans la porte, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, je pense. Et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, si je fais une partie 2, si je continue avec d'autres choses de la psychologie et si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.